À Bambomine, les commandants de la 32e région militaire a effectué une visite de réconfort moral à l'équipe de la Task Force, rescapée de kidnapping de la milice Codeco et hébergée jusqu'à ce jour à la paroisse catholique de Bambou. Le général de brigade Clément Bitangalo était porteur du message du gouverneur militaire, lieutenant général Boyaka Chamadjoni, préoccupé de la situation. Les commandants de la 32e région militaire et Pichu Iribi, porte-parole de la Task Force, ont échangé autour des conditions de détention de Thomas Lubanga, Floribert Ndjabou, Germain Katanga et d'autres, mais surtout sur l'avancement positif du processus de leur libération. Deux militaires commis à la garde de la délégation et qui sont en stand-by à Bambomine ont été réarmés moralement. Et puis, on a toujours aux aguets. Moindre erreur, vous avez admis que vous avez senti que vous avez des aliens. Mais elle a moko se crée à moko. Discipline. Mon général, la compagnie mixte a bien suivi vos directives et mettra ça en pratique. Fier à vos ordres. Courage, maintiens la discipline. Thomas Lubanga, Floribert Ndjabou, Germain Katanga et consorts, à mission de sensibilisation de miliciens Codeco dans la région de Bambou, ont été kidnappés le 16 février dernier. Il y a peu, le gouverneur militaire a réuni toutes les structures communautaires, question de mobiliser tout le monde pour obtenir la libération de ces émissaires de paix dépêchés à Ituri par le président de la République.